Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo donc euh, deuxième vidéo sur le Pif 2023 où je vais me focus particulièrement sur un seul film, donc, parce que je ne l'ai pas traité encore sur ma chaîne, donc le fameux euh, ron and Kill euh, de billy tang réalisé donc, en euh, 1993, euh, donc, qui a une réputation euh, assez euh, incroyable d'être le plus grand film de catégorie 3, etc. alors je vais, je vais, je vais essayer un petit peu de, de remettre quelques pendules à l'heure, puisque moi, voilà, je le dis, c'est un film que j'adore. mais c'est vrai que dans le cadre du festival, je pense que les gens s'attendaient à autre chose et à un truc encore plus hardcore que, que Ebola Syndrome, puisqu'Ebola Syndrome ou encore Bondman, c'est vraiment euh, les films les plus hardcore, enfin considérés comme les films de catégorie 3 ultime, etc. Et c'est vrai que pendant la présentation donc de Ronan Kill, il y avait eu un truc qui m'avait un petit peu interloqué, parce que je. je oh, ils avaient vraiment l'air de vendre le film comme le... Enfin, le, le, le catégorie 3 ultime, le film le plus, le plus violent, le plus hardcore. J ai, j ai, enfin, je, je pense que je sais pas s'ils l'ont vraiment vendu comme ça, mais en tout cas, je, je, je sens que les gens de la salle l'avaient plutôt reçu comme ça et j'ai senti qu'ils avaient été un petit peu déçus, en fait, euh, par rapport à ça. Euh, parce que je, je pense qu'il... Voilà, le manière dont on, a, on, a, on leur avait vendu le film et la manière dont ils l'ont reçu, finalement, il y a un décalage. Puisque moi, en fait, j'ai toujours considéré que Run and Kill, c'était probablement le... Alors, c'est probablement mon film de catégorie 3 préféré. Euh, mais, c'est pas un catégorie 3 dans le sens de la de 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 l'amusement et de la de et de, de des effets gore et grand guignol comme ça et des espèces de l'immoralité comme ça toujours assumée toujours est, on est vraiment dans autre chose on est limite dans un drame un peu un peu un polar pratiquement à certains moments et qui qui va être très violent mais beaucoup plus psychologiquement que que que, que gore en fait c'est il n'y a pas des grands moments gore des grands moments de d'excès de, comme ça que peut avoir euh, Ebola Syndrome ou de, ou de totale immoralité. Euh, et en plus, moi je le trouve que c'est un film très bien réalisé. Euh, là, le revoir en 4K sur grand écran, enfin euh, je crois que c'est de la 4K il me semble, mais en tout cas c'était de la très très grande qualité, les lumières, les couleurs, l'image, tout ressort. Euh, moi j'avais déjà, on, le Metropolitan l'avait sorti à l'époque, donc euh, dans la collection, la catégorie 3 avec d'autres films, et moi, je l'avais trouvé excellent. J'avais trouvé que c'était à la fois dans ses côtés euh, euh, dramatiques et euh, nihilistes, c'était ex exceptionnel. Alors moi... Je trouve ça je, je prends vraiment le film au premier degré parce qu'en fait je suis habitué du, par le cinéma de hong kong j'en ai bouffé toute ma vie à l'époque où je l'avais vu j'en avais déjà bouffé un nombre incalculable donc moi ce type de film en fait je le perçois comme quelque chose de d'assez sérieux et même les moments qui prêtent à rire et y en a il y en a même qui sont volontaires hein, dans les changements de ton les ruptures de ton et tout parce qu'on reste quand même à Hong Kong. Et ça reste quand même du divertissement. Mais euh, je sentais que dans la salle, évidemment, ça ricanait à des moments où il n'y avait pas lieu d'être. Moi, quand... Enfin, euh, je, je, je spoile pas le film parce que c'est là, faut vraiment pas que je vous parle de certaines scènes. Mais il y a, y a notamment la, la, la fameuse scène où euh, les, les gens avaient tendance à... à je sais, je, ils ne savaient pas s'ils devaient se marrer ou s'ils devaient prendre le truc au sérieux. Moi, c'est vrai que je suis tellement habitué via le cinéma de Hong Kong, c'est organique, c'est quelque chose, c'est 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 comme euh, c'est comme me lever le matin, prendre mon, mon petit déjeuner, je connais les acteurs, je connais les réalisateurs, je connais les, les la manière dont ils vont filmer, l'image, le ton, euh, le style, les rues, puis euh, plus j'y ai vécu, machin tout ça, donc en fait c'est quelque chose de totalement normal. Donc moi j'ai vraiment un, un j'ai à la fois du recul. Par rapport à ça et en même temps euh, j'ai la tête complètement plongée dedans j'ai vraiment les deux donc j'arrive vraiment à, à apprécier et, euh, et je peux comprendre que quelqu'un qui soit pas forcément habitué au cinéma de Hong Kong rigole face à certaines scènes face à certains c'est c'est très c'est c'est pas le, le cinéma le plus accessible hein, comme j'ai toujours dit et il faut vraiment vraiment en avoir bouffé un certain nombre pour pouvoir rentrer dedans et je pense apprécier un film comme Ronan Kill parce que si on, on voit par exemple Ronan Kill sans avoir vu de cinéma de Hong Kong avant ou en en, en ayant vu très peu, je pense qu'on va trouver ça euh, probablement ridicule. On va pas comprendre pourquoi il y, y a telle ou telle musique qui est, qui, qui, qui est utilisée à ce moment-là. Pourquoi ce mec, le, le, les personnages vont jouer comme ça Pourquoi ils vont dire cette phrase à ce moment-là euh, Voilà, c'est vraiment un contexte, c'est vraiment une culture, c'est un cinéma bien spécifique d'une certaine époque. Donc, il faut vraiment toujours se remettre dans le contexte de l'époque. Ça, c'est très important si on veut apprécier un film. Je pense que c'est nécessaire. Après, si on veut prendre le truc comme ça à la volée, ça, ça marche très bien aussi. Hein. Moi, ça, je, je peux comprendre que les gens aient détesté et que les gens aient pas apprécié. Mais je pense qu'il faut, voilà, c'est toujours encore une fois un, un cinéma qui se qui se mérite un peu et qui a besoin de voilà d'un petit peu de de creuser. Il faut creuser un petit peu. En tout cas, voilà. Moi j'ai adoré cette séance. Euh, C'était une séance qui s'est passée comme ça très tard. Moi j'ai beaucoup beaucoup hésité pour y aller parce que j'habite un peu loin euh, en, en banlieue et qu'il faut là il fallait reprendre le, le, le bus de nuit et c'est un petit peu un petit peu long. Donc voilà c'est pas toujours le truc le plus agréable mais je l'ai fait quand même parce que finalement comme je l'ai dit dans mon ancienne dans mon, la dernière vidéo euh, ce type de film ne ressortira jamais sur grand écran comme ça donc c'est assez unique au monde en fait un hein. war j'aurais jamais imaginé War Run and Kill sur grand écran euh, donc dans ma vie donc je remercie encore le pif euh, euh, pour ça euh, et j'ai, j'étais obligé d'y aller je me suis dit tant pis j'y vais je rentrerai tard mais je, je, je vais aller voir and Kill parce que merde c'est un film que j'apprécie et là j'étais vraiment très content parce que j'ai vraiment redécouvert le, le film euh, moi c'est un film que j'aimais beaucoup, mais j'avais oublié aussi plein de choses. Il y a plein plein de trucs qui m'ont que, que j'ai adoré même même visuellement parlant je trouvais qu'il y avait une atmosphère un truc euh, très très bon les acteurs évidemment à l'époque m'avaient euh, subjugué euh, Simon Yam dans le rôle du, du, du méchant euh, taré terminator euh, vietnamien et puis euh, et puis, euh, Ken chung, qui est excellent hein, qui était le, le méchant de, de Crime Story euh, acteur euh, fantastique à la fois drôle et parfois super dramatique par moment un acteur incroyable qui est, les deux acteurs portent le film et puis moi j'aime beaucoup euh, Billy Tang le réalisateur je sais que c'est un réalisateur très décrié pas très apprécié euh, alors j'ai pas vu tous ses films, mais il a quand même réalisé un certain nombre de fleurons, réalisé ou co-réalisé un, un nombre incalculable de fleurons de la catégorie 3. Pour moi, c'est c'est mon réalisateur préféré de la catégorie 3. J'ai 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 aimé tous les films qu'il a fait parce que je trouve que visuellement il a une patte, il a un truc. Alors dans ses meilleurs moments, après des fois il fait des trucs euh, pas ouf. Euh, mais voilà, je peux citer par exemple son son Red to Kill, qui est encore plus hardcore que Ronan Kill, hein, qui est vraiment un truc qui se passe dans un hôpital psychiatrique avec un violeur au milieu donc je vous laisse un petit peu le, voir le, la tournure que le film prend qui est qui est vraiment vraiment visuellement incroyable que je pense voilà en 4K ça 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 mérite vraiment de, de ressortir mais qui est un film là beaucoup plus dur, beaucoup plus immoral, beaucoup plus hardcore euh, qui est un de ses grands classiques euh, il a évidemment aussi on peut citer aussi son Dr lamb alors Dr lamb, officiellement il a été réalisé par Dan euh d'ailleurs qu'on retrouve aussi dans dans Ronan Kill mais euh, là il a été réalisé par par Danny lee. Où, réalisé par Danili mais je pense que c'est c'est Billy Tang qui a fait la, le, le, la plupart du, du, du job, parce que dans certains trucs, il est, il est crédité comme étant le coréal. Moi, vu les qualités euh, esthétiques et visuelles et tout, et les couleurs utilisées dans Dr. Lamb, euh, je pense que c'est plutôt Billy Tang. Après, je peux me tromper, hein, moi, j ai, j ai, je, je, je sens en tout cas sa patte, et je sens euh, que, que, que c'est lui, Voilà Dr. Lamb. Voilà, un autre grand classique du cinéma de catégorie 3, mais encore une fois, un immoral, violent, je, que je conseille vraiment pas à tout le monde. Euh, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais le DVD qui était sorti en France euh, de *Brother of Darkness*. Euh, alors, donc, j'ai pas un très grand souvenir que j'avais pas détesté à l'époque. Je l'ai pas revu depuis des années, voilà. Mais en tout cas, c'est un film de Billy Tank qui était sorti en France. Un autre film de Billy Tank qui était sorti, en deux films qui étaient sortis en France, euh, donc euh, dont je vous ai déjà parlé dans une de mes anciennes vidéos qui s'appelait donc pour la peau d'une femme euh, avec Patricia A et Rosa Bonquan, qui avait été apparemment co-réalisé par par Billy Tang euh, que moi pareil j'avais trouvé euh, je croyais qu'il y avait des qualités formelles et tout qui étaient vraiment chouettes, et probablement que Billy Tang y est pas pour rien en tout cas j'avais j'avais beaucoup aimé je vous en avais parlé pendant une vidéo et puis euh, son film le plus euh, évidemment le plus connu c'est euh, un film, en fait, avec Jet Li et Stephen Shaw tourné aux États-Unis, aller avant que Jet Li et Stephen Shaw soient euh, des stars, donc c'était en fait fin 80, donc à l'époque où voilà, il, il manquait qu'un an ou deux avant que Stephen Chow et Jet Li cartonnent avec euh, donc, euh, Stephen Chow avec All for the Winner, Jet Li avec Il était une fois en Chine, et euh, donc c'était juste avant, c'était marrant de voir Stephen Chow et Jet Li réunis dans un film d'action tourné euh, hongkongais tourné aux Etats-Unis, euh, euh, alors qu'ils n'étaient pas encore connus, et que ça va devenir des méga stars après, Enfin c'est toujours marrant, donc voilà, ça s'appelle The Defector dans Dragon Fight, qui est vraiment pas un grand film, moi j'ai un film qui est un film que où j'ai une petite tendresse pour le film que j'aime bien, puis c'est sur ce tournage que Jet Li a rencontré sa femme, Nina Litchi, euh, c'était tout un bordel, parce qu'en en fait, à l'époque, Jet Li voulait immigrer aux Etats-Unis, et puis euh, apparemment il voilà par rapport à ça c'est pour ça qu'ils ont tourné le film là-bas etc et finalement bah, Jet de est revenu à Hong Kong après mais ça reste quand même un film un film de de, de Hong Kong donc voilà ouais, il a réalisé ça donc ce Defector Dragon Fight qui est vraiment pas c'est pas resté dans les annales mais disons que c'est c'est au vu de son casting c'est 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 comme ça que des fois que je le je le désigne pour que les gens se vois un petit peu ce que Billy Tang a pu faire. Voilà, je je sors de ma digression, je reviens sur Billy Tang. En tout cas, voilà, le le réalisateur de de catégorie 3, pour moi, le le plus intéressant. Je trouve, euh, voilà, visuellement, euh, si vous avez réussi à choper le livre de Julien Cévéon sur la catégorie 3, il y a une très 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 bonne interview de Billy Tang. Voilà, euh, où là, vous, vous allez vraiment vraiment connaître beaucoup 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 de choses sur euh, sur le gars. C'est vraiment très intéressant, et notamment dans son rapport avec la Chine. Ou où, où, où Julien Cévéon n'arrête pas d'essayer de, de, de le ramener, voilà, sur le, lui poser des questions sur le, la, la Chine et où Billy Tang lui-même est très, très 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 optimiste par rapport à la Chine en disant que la Chine est un pays qui change, qui évolue, etc. Machin. Donc c'est voilà, c'est moi moi qui connais bien la Chine, c'est toujours très intéressant de, de voir ça et, euh, et puis toujours cette cette vision qu'on a en Occident de systématiquement voir la Chine comme le mal absolu et de vouloir toujours poser des questions en ce sens, alors qu'en fait les Chinois eux-mêmes, qui viennent de Chine continentale, de Hong Kong ou d'ailleurs, euh, leur disent non, 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 vous inquiétez pas. Alors soit ils le font pour des raisons effectivement politiques, etc., mais pas pas forcément tout le temps. Et euh, des fois c'est juste simplement non, non. Des fois euh, le, le, le mec est sincère sur ce qu'il dit. et Donc c'est voilà, c'est une interview très amusante par rapport à ça, puisqu'évidemment. Et là, on revient sur Ronan Kill. Ronan Kill fait plein d'allusions à 97, à la rétrocession et à la peur légitime que ressentait le, la population de Hong Kong à l'époque. Mais finalement, dans l'interview, voilà, de, fait par Julien Cévion, Billy Tang euh, a l'air de dire, mais finalement, ça va, euh, ça s'est pas trop mal passé. On, on a quand même, on a quand même eu une, une peur un peu surdimensionnée par rapport à ce, ce qu'est qu la réalité des faits. Et c'est vrai que quand on connaît la Chine, comme moi, qui ai vécu, etc., euh, en fait, euh, c'est pas apocalyptique évidemment il y a plein de problèmes il y a plein de choses qui vont pas mais qui sont inhérentes à l'histoire du pays à, à son à, à ses régimes successifs à ses idéologies à sa manière de voir le monde à plein de trucs bon voilà je vais pas revenir sur ça mais mais c'est toujours euh, c'est toujours amusant de voir la vision d'un mec qui avait euh, qui qui pouvait être paraître comme quelqu'un de très très radical et très critique envers la Chine à une époque, mais effectivement c'était les années 90 et à l'époque il y avait une peur qui était légitime, mais maintenant une fois que la, que la rétrocession s'est passée etc on constate voilà que ça, les, en fait rien n'a vraiment changé en réalité. Il y a eu, il y a effectivement plein de trucs, mais c'est 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 aussi ce que les gens de de Hong Kong comme militants Tang ont l'air de dire à plein d'endroits, c'est-à-dire que finalement rien n'a vraiment changé et que et, et voilà donc c'est toujours intéressant. Et, et d'ailleurs aussi les gens ont tendance à oublier que même dans un film, tous ces films de catégorie 3, même s'ils étaient très critiques et ils avaient très très peur en fait de la rétrocession et de la Chine, ils oublient toujours de dire que c'était aussi une critique une critique très 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 viscérale et très euh, très énervée voilà de, de du Hong Kong de l'époque quoi hein. euh, hyper capitaliste ultra libéral où chacun pense qu'à sa gueule enfin c'est c'est toujours ça moi que je constate un petit peu dans les les chez les, les gens qui parlent de la catégorie 3 c'est que oui OK ils parlent de la Chine comme le truc euh, mais ils n'ont ils pas l'air de trop parler du Hong Kong de l'époque euh, qui était un voilà un, quand même totalement injuste euh, ou voilà où c'était quand même un, un univers très particulier où tout le monde il euh, y avait des tout le monde se, 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 se pouvait être capable de se de se buter ou de se rabaisser pour de l'argent avec un esprit très individualiste etc donc euh, c'est tous ces films parlent évidemment de ça aussi euh, ils parlent des deux en fait ils parlent de la peur à la fois de la rétrocession mais aussi euh, de l'horreur qu'ils sont en train de vivre dans euh, dans la, la ville actuellement sous le régime anglais, et donc c'est ça qui est intéressant dans *Ronan Kill*. Il y a effectivement ça, c'est-à-dire ce, ce brave gars, euh, donc interprété par Ken Cheng qui est euh, petit chef d'entreprise euh, pas très très beau euh, un peu disgracieux mais qui est très gentil très un, qui est, qui est un, un, un bon père de famille euh, très aimant envers sa femme envers sa petite fille etc qui s'occupe d'eux etc et puis finalement va se faire va se faire euh, va se faire trahir par sa femme qui va coucher avec le, le je sais plus le plombier du coin ou je ne sais plus qui, et il va même pas réagir. Ça, c'était des problématiques et des, et des peurs inhérentes euh, aux Hongkongais de l'époque, ce qui vivaient. Euh, et de ce que tout, toutes les crasses qui pouvaient se faire euh, pour de l'argent pour de, pour des faveurs pour du pouvoir pour du sexe etc il y avait vraiment ça aussi et ça c'est très important et ça et ça transparaît alors le film aussi a l'air de dire effectivement que par le le personnage de Simoniam ben bah, qui est en fait qui est un personnage de, de vietnamien je crois mais en fait qui est, qui est un personnage de en fait de un peu un peu communiste quoi en fait enfin entre guillemets je mets des guillemets à communiste mais euh, qui est en fait l'incarnation un petit peu de la du du, du voilà du de, du péril rouge quoi de, voilà du, des des rouges et des méchants rouges voilà donc il, il incarne un peu ça donc on peut y voir effectivement les deux les deux visions en fait, du du, du 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 cinéma et les deux visions sont présentes et les deux critiques sont présentes aussi. Donc voilà, moi j'ai trouvé que c'était un film je je, je, je je trouvais que c'était un film super à l'époque. En le revoyant, je le trouve je l'ai trouvé encore mieux. Euh, effectivement je pense que le film se prêtait pas forcément le, à la, au type de séance la séance interdite la, je, je, parce que moi j'ai toujours considéré que Ronan Kill c'était un peu le, le, le film le plus prestigieux de la catégorie 3 c'était pas le, le film gratuit euh, comme peut l'être Ebola Syndrome etc c'était vraiment un film avec une, une portée dramatique avec beaucoup d'humour par moment, mais qui était beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil. Bon, alors là, je vous dis ça, ça se trouve, les gens qui sont pas habitués au cinéma de Hong Kong me diront l'inverse, mais euh, comparativement aux catégories 3 qui se faisaient à l'époque, c'était vraiment, vraiment euh, le haut du panier en termes... Euh, donc le film se tient, il a un début, une fin, une histoire, il avance, et euh, il, il est, on est très impliqué à la fois... Euh, émotionnellement ou dramatiquement et, et donc c'est pas un catégorie 3 de salle gosse de festival de fin de festival comme ça euh, que moi j'aime beaucoup hein, j'aime beaucoup ce type de film mais ça, en fait ça s'y prêtait peut-être pas forcément parce que le film pour moi est beaucoup plus riche que' qu'il y, qu y paraît et, euh, et voilà et puis euh, aussi euh, en termes de de, de, de petites critiques que je peux faire il a eu un il a eu un intervenant qui est qui est, qui est voilà qui, est, qui était euh, qui est venu présenter un petit peu le, le début du film dont j'ai oublié le nom hein, je suis je suis désolé qui a replacé en fait la catégorie 3 entre 89 donc Tiananmen et 97 la rétrocession alors c'est très poétique c'est très beau c'est très euh, voilà c'est c'est un effet de style en fait de dire ça mais techniquement parlant en fait la catégorie 3 en termes de catégorisation parce que c'est pas un genre en fait c'est une catégorisation c'est devenu un genre par le de fait mais à la base c'est une catégorisation ça, ça a démarré avant 89 et Tiananmen et tout ça en fait ça avait rien à voir avec ça c'était en 88 avec euh, quand 731 de ce que j'ai retrouvé comme information jusqu'à encore euh, 2015 il y avait des films de catégorie 3 qui étaient produits euh, à Hong Kong et, euh, et moi je me, en fait j'avais fait je, 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 ça m'avait fait un peu tilt qu'il ait dit ça parce que moi je me souvenais de plein de films des années 2010 où il y avait euh, des films érotiques, euh, Sex and Zen etc., Sex and Zen euh, Extreme Ecstasy, puis d'autres films euh, Love and Chopstick, des films comme ça qui étaient classés catégorie 3 qui étaient de l'érotisme et moi j'avais plus encore plein de j'avais vu plein de films érotiques sortir en compte dans les années 2000 euh, 2010 hein. Donc euh, je... vraiment je... Le, le... non non le genre le, le... la catégorisation ne s'est pas arrêtée. Elle n'a pas duré entre 89 et 97 euh, et d'ailleurs elle 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 a perduré jusqu'en 2015 et peut-être même qu'elle perdure elle, elle perdure encore aujourd'hui c'est une question que n'ai pas forcément posée qu'il faut il faut que, que je me renseigne là-dessus mais en tout cas moi j'avais vu des films d'horreur à Hong Kong en 2019 il n'y avait pas la catégorie 3 il y avait la catégorie 2B encore en tout cas les catégories sont toujours présentes donc je pense qu'ils produisent plus de films de catégorie 3 par rapport au contexte politique maintenant de, de l'époque un petit peu compliqué parce que c'est vrai que c'est des films qu'il faut quand même pouvoir exporter il y a un marché chinois qui est énorme aujourd'hui donc je pense qu'ils prennent pas de risque de faire ce type de film ça ça rapportera pas forcément de d'argent de, et de, et de et ça c'est pas ça sera pas très viable commercialement mais je vois voilà en tout cas ça s'est pas arrêté en 97 avec la rétrocession ça c'est une légende c'est un leurre alors après euh, effectivement peut-être qu'il a voulu dire effectivement le la catégorie 3 en que genre non pas en tant que catégorisation ça c'est encore autre chose s'il avait s'il a voulu le dire comme ça je peux à peu près comprendre ce qu'il a voulu dire c'est-à-dire que effectivement entre le, le le dans toutes les années 90 en fait il y a eu euh, effectivement cette euh, cette euh, cette peur de la rétrocession qui s'est euh, vraiment euh, insérée dans la dans la dans ce mode de production qui était euh, la catégorie 3 et où en fait ils se sont mis à, 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 à se dire Bon, on ne sait pas ce qui va se passer après 97. Euh, on va en profiter pour faire les films les plus violents, les plus hardcore, les plus immoraux, etc. De ce point de vue-là, je peux comprendre qu'ils disent donc 89, enfin 97 de manière un peu comme ça poétique et, et très anti-chinoise euh, ça mais euh, je, je voilà c'est vraiment en tant que en tant que, que genre de film pas en tant que catégorisation alors après c'est vrai que moi je me suis un petit peu renseigné et même après 97 hein, jusqu'à il y a eu des films hardcore produits même en 98 99 il y a encore eu des films comme ça je pense que c'est plus en fait une, 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 une voilà c'était des films qui étaient propres à une certaine décennie en tant que genre c'est à dire ce, ce genre où euh, de pousser les potards à fond c'était vraiment le grand genre des années 90 la, la catégorie 3 et je pense que ça s'est même arrêté après pour des raisons qui sont pas uniquement politiques mais qui sont même des raisons de goût de changement d'époque etc voilà c'est pas uniquement dû à ça je pense alors voilà en tout cas euh, bah écoutez je, je vous remercie de m'avoir écouté, j'étais beaucoup trop long encore une fois, mais euh, Ronan Kill en tout cas, super film, je vous le conseille vraiment euh, ardemment, Là, ça, va, ça va ressortir en, en Blu-ray, donc n'hésitez pas, euh, c'est un petit bijou de la, des années 90 euh, hongkongais de, de l'époque et de la catégorie 3, mais encore une fois, comme je l'ai dit, euh, c'est pas Ebola syndrome, c'est pas un film euh, un, un film gonzo euh, euh, comme ça euh, sympa euh, c'est c'est vraiment un un drame et euh, un film très bien réalisé très intense et euh, et c'est que moi j'adore je, je, et que je trouve euh, euh, qui se tient vraiment bien et c'est qui est probablement mon mon film catégorie 3 de l'époque mais c'est pas c'est pas un film pour s'amuser c'est un film plus euh, même si vous allez passer des bons moments devant qu'il y a plein de il y a plein de scènes euh, Très drôle et vous allez vous marrer à plein de moments, mais ça reste quand même un film avec un certain propos et, et avec une, une certaine noirceur euh, qui, est quand même, euh, qui est quand même très important à, à, à regarder. Euh, voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis à bientôt, vive le cinéma de Hong Kong, merci encore au PIF pour l'accréditation et pour l'invitation, et je vous dis à l'année prochaine, prenez soin de vous, bye.